Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de sortir d'une boule de neige et d'infliger des dégâts à des joueurs en moins de 10 secondes d'intervalle. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller là où il y a de la neige, hein, de la neige, il y en a partout ici, et ensuite vous allez devoir taper le sol, voilà, comme ceci. Vous tapez le sol pour faire en sorte d'avoir une grosse boule de neige. Voilà. Ensuite, vous vous cachez à l'intérieur. Je pense que tant que vous êtes à l'intérieur de la boule de neige, elle ne se casse pas. Après, je suis pas sûr, hein. Mais voilà, c'est à tester. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher un adversaire. Donc, j'ai vu qu'il y avait un adversaire qui était passé par ici. Alors, je pense que je peux détruire les murs avec cette boule. Ouais, mais pas comme un vrai véhicule. Donc là, je suis bloqué. Parce qu'après, je peux plus bouger la boule. Donc je vais rester à l'intérieur pour voir si elle se casse. Ouais, elle se casse en fait. Ok, donc elle se casse. Donc il va falloir bien anticiper les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attirer l'adversaire. Je sais pas où il est. Ok, donc là j'ai trouvé quelqu'un. Alors direct, dès que je vois quelqu'un, ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans le sol avec ma pioche. Donc hop. Par contre, je vais pas faire une très grosse boule. Voilà, une toute petite boule. Normalement, ça devrait suffire. Je me cache dedans. Et là, je vais essayer de me diriger vers lui. Ok. Après, j'aurais peut-être pu sortir de la boule quand j'étais tout en haut. Tout en haut de la colline et lui tirer avec une arme à distance. Mais je l'avais pas trop en visu. Donc là, j'ai raté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de la hauteur. Chercher après l'adversaire. Ok, il est là. Donc là, je le vois. Je fais une petite boule. Hein, pas besoin de faire une grosse boule. Je rentre dedans. Je sors. Je ressors. Et là, je lui inflige des dégâts dans les 10 secondes suivantes. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il est là-bas. Ah, c'est un autre, ça. Ok. Donc, voilà. Hop. Je pense que j'ai infligé 100 de dégâts en moins de 10 secondes dès que je suis sorti de la boule. Après, je peux retourner dans la boule avant qu'elle explose si je veux. Ouais, là, elle a explosé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre adversaire. Ok, il est juste là. En fait, il faut infliger 250 de dégâts. Donc hop, je prends ma pioche, je pioche, je me cache dans la boule, voilà, il est là, hop, je sors de la boule, et là je lui inflige des dégâts. Voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez infligé 250 de dégâts 10 secondes après avoir sorti d'une boule, donc 10 secondes d'intervalle, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!